Aïe, 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 j'en ai la migraine. Bon, par contre, là, c'est un peu la sauce. Hein. Ah, ouais, 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 voilà. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour Cast ce set en tant que main Rosa et main Steve. Second Steve, c'est pas vrai. Second Steve, je suis second Steve. Ah bon, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Je mène pas ce perso, tu ne mènes pas ce perso. Eh bien, on va vous cast tout simplement la fin de ce set. On a déjà un set pour Camille. Là, c'est un peu le retour de flamme. C'est ça. T'es Luffy. Là, on a accumulé tout ce qui s'est passé à la première game et là, on remet tout. C'est ça, on a une adaptation. Et là, par contre, bien vu. Ce qui confirme de la part de Camille Ner Père. On va directement commencer sur un petit combo qui va se faire malheureusement reverse. Et je lis les crawls, les combos. L'humain qui est toujours là pour interrompre. Évidemment. C'est ça qui fait genre, vraiment chier Steve dans le match-up. Mm-hmm. Tu peux pas être libre de ses mouvements. Faut toujours faire attention à cette petite étoile qui est là pour enquiquiner, voilà, par exemple, side B into up tilt pour casser le minecart, c'était très bien joué. Là on avance, on tente une panique. Tenter un ledge trap, malheureusement, on va se faire reverse là-dessus. Pas sûr que Pape le Diamant aurait été une bonne solution. Ouais. Après, s'il arrive à trouver un bon backer ou un bon F-smash comme, voilà, comme il a tenté, ça aurait pu être un très bon kill. Mm-hmm. Mais là, on est à kill pour cent côté Luffy. Ouais. Et Camille fait de très belles remontées. Sachant que là, le Steve. Donc là, c'est la sauce. Il n'a plus de diamant. Et il n'a plus de diamant. Là, franchement, il va vraiment falloir bien jouer de la part des deux joueurs. Parce que ça peut aller très très vite avec Rosa. On sait qu'il y a de la rage en plus. Sachant que notre cher Luffy n'a presque plus de matériaux. Même si on en récupère là-dessus. On va réussir à temporiser pour aller chercher peut-être un nouveau diamant. On trouve le fer déjà. Là, on sait que le backer, ça met déjà très très mal avec cette pioche en fer. Le S-Mage, voilà, en read. En couverture d'options, mais on ne trouve rien pour le moment, on continue de miner, on est obligé d'attendre côté Harmony, côté Camille et qui est croustillé en biscuit sec. Quel pseudo de fou, hein, faut qu'on en parle. Incroyable, c'est un tue quand même. Tu sais c'est qui croustillé en biscuit sec? C'est le méchant dans... Enfin, Babyboss. Babyboss, c'est ça. C'est lui qui te l'a dit? Oui. Ouais, voilà. Toi aussi. Non mais j'étais là le jour de la création de croustillé en biscuit sec. J'étais dans la voiture, c'était fou. C'était dans la voiture. Comme ça, Christian Biscuit. Non, il était là, on a sorti Christian Biscuit Sec. C'est lui qui l'a sorti, le bas. Ah ouais. Et lui. Et là, on retrouve ce diamant, on tente la TNT, mais elle ne servira à rien ici. Sauf si on s'y redirige, si on le pousse, Festive, vers la TNT, mais voilà. TNT qui n'a servi à rien, excepté faire perdre des matériaux côté Luffy. Hein, voilà, on se retrouve encore une fois dans la sauce. On a déjà ce diamant, on en a même un deuxième hein, grâce à Holobastion. Mmh. Parce qu'on peut miner deux diamants en même temps. On peut miner deux diamants en même temps. Ouais. En fait, la plaque jaune et la plaque rose et le truc au milieu, c'est deux trucs distincts. Enfin, distincts. C'est deux trucs que tu mines distinctivement, entre guillemets. D'accord. Donc en fait, c'est un cycle. Quand tu mines le diamant, etc., c'est un cycle. Oui, c'est bien joué ce match de la part de Luffy qui va venir clore cette game et prendre cette seconde game. On va passer sur une game 3. Exactement. Mais donc, ouais, Holobastion, c'est une très bonne map pour Steve parce que du coup, il peut miner ses ressources deux fois. Enfin, en même temps, peut-être. Si on arrive à bien gérer la plaque qui nous donne peu du fer, donc le jaune, et la plaque qui nous donne un peu de reste en fait, du terrain, on peut avoir deux diamants en même temps. Ce qui est un énorme avantage pour le Steve. Ah oui. Ça veut dire qu'on sécurise le diamant pour cette stock et la stock d'après. Mmh. Donc on est bien quoi. C'est une très bonne map pour le bastion pour Steve. Ouais, c'est vraiment. En plus, on a de bonnes ressources, voilà, on a de la pierre. La pierre, c'est plus résistant. Et là, on part sur Smashville. C'est comment Smashville niveau ressources? C'est que du bois, ça utilise la hache, donc en soi on a toujours la pioche, il peut être pas mal. Mm-hmm. Mais voilà, là on commence déjà les combos. Ouh là là, 54% pris dessus. Bah voilà, vu qu'il utilise la hache et pour les combos et pour miner déjà, on a beaucoup plus de. Enfin, on sera moins. Comment dire? On aura moins la hache tout le long pour miner, il va falloir la recraft plus souvent, etc. Sachant que là en plus, on a soit du fer, soit du bois. Parce que la dirt, tu ne peux rien craft avec et on n'a pas de pierre sur cette map. Pas ça de nous donne pierre. Pas de pierre. D'accord. Donc, ce sera soit du fer, mais le fer, ça coûte très cher. Mm-hmm. Donc, c'est fort, hein, mais ça coûte cher. Soit on peut sacrifier un or pour créer la pioche en or, miner plus vite, taper plus vite. Au fond, on va venir trouver cette stock avec ce neutral bichargé qui va venir cache cette neutral top. On a le lead de la part de Camille. Smashville, c'est une map assez. Je dirais même assez bonne pour Rosa dans ce match-up.
dépendamment du playstyle de la Rosa, parce que si elle est agressive, on peut venir trouver des kills très très vite, vraiment empêcher le Steve de miner. Et on va trouver ce fer après ce main carte. Très bien trouvé, hein, du côté Ouais. de Camille, croustillant, biscuit sec. Et là, on trouve quelques nerfs par-ci par-là. On a gratté 46%. Luma, toujours là pour casser les bonbons à Alex. Où c'était en Et là, pire? Balle. petite passe, voilà, des désavantages. On n'arrive Ouais, pas à je sais retrouver pas. dans le centre du terrain. C'est pas vrai, j'ai menti. Luma qui est là pour me faire mentir mon mensonge. C'est une folie. Ce match, il y a énormément de rebondissements. Voilà, c'est ça, se rend pour coup. Là, on casse la table de craft, hein, forcément, on essaie de réduire les ressources du Steve au minimum. Ce magnifique qui n'a pas sweet spot malheureusement. Celui-ci a sweet spot justement. Du coup, Zachi, ça va, ça va. Et... Ok, on va trouver ce main carte boosté pour prendre cette stock. Et maintenant, Luffy a un lead. Et on va trouver directement ce combo up tilt. Malheureusement, on a mis input un EB ici. Ça va lui coûter le stage control. Mais il a toujours le lead de stock. Il va vraiment falloir capitaliser. On a un diamant. On va le garder pour la prochaine stock, j'imagine. Là, maintenant, il va vraiment falloir que Camille prenne cette stock au plus vite. S'il On aurait croit pu qu'on un smash hein, après. Ouais. Alors... C'est dommage, on n'a pas été présent sur l'erreur de Luffy. Et là, Ça par va et contre. toi, Zachi? Tranquille, tranquille. T'es pas venu, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Joli Très bien. bien joué. Très bien joué. Et là, du coup, on a un diamant côté Steve, côté Bon, Alex. pas encore miné sur le smash, ça ne tuera pas. On va pouvoir le miner. On a réussi à le miner directement ici. Et maintenant, va vraiment falloir trouver un kill. Oh, la chaîne de fer qui peut aller. Peut clore une stock très vite si on y aille mal. Heureusement, on a réussi à reprendre le stage. Ok, c'est parti. Luffy qui va reminer des matériaux. Attention à Luma. On arrive à. Aïe 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 aïe, cette dash attaque qui va directement se faire punir. Le terrible. Le terrible. Vraiment, on est dans une situation vraiment où les deux joueurs peuvent prendre une stock très très rapidement. Pour ça, on le sait là. Un potentiel de... Ok! Bien joué de la part de Luffy qui va réussir à faire cette game avec ce smash. Il aurait presque... Camille aurait presque pu survivre à cause du bloc, mais maintenant, on va revenir là-dessus. 2-1 pour Luffy. On est stressé. Oh, il s'est arrêté. C'est assez tendu. Oh, il est fait la merde. Bon, c'est... Ah bon? Ah non, imprévu, mince. Voilà, prochaine fois. C'est vrai qu'on s'était vu une seule fois et une seule fois, c'est ça. Tu comptes revenir au Magna ou des trucs comme ça? Mais reparti, encore une fois, ce Oui. machine, hein. Là, je pense que la stratégie, ce serait de vraiment embêter ce Steve, l'empêcher de miner encore plus. Voilà, parce qu'on l'a vu en fin de game, il s'est retrouvé avec très peu de ressources. Et le mieux, ce serait vraiment de l'avoir en mid-game sans ressources, sans de quoi. Bah, craft tout simplement sans pouvoir miner, et c'est quelque chose que Croustillant Biscuit Sec arrive à faire assez bien parfois, mais là Luffy ne le laisse pas faire. Voilà, mais là par contre, 4%, Pour l'instant, il arrive à appliquer son game plan. on perd le Luma sur cette action, et là 59% avec les matériaux en bois. Ok, on a plus de l'humain. Luffy essaie de capitaliser là-dessus. Ok, l'humain est revenu. Voilà, faire attention. On va se faire sauter sur Minecraft. Oh, On on va a fini. réussir à se faire. C'est très très bien joué. Malheureusement, il serait quand même pas mort. Si, même s'il n'avait pas de tech. Un jab, ok. Attention. Et on va trouver ce. Ah, La malheureusement, guerre, mais qui c'était ne le tuera pas. tracker. C'était l'or, c'est ça? Non, c'était en bois. C'était en bois, c'est pour Il ça. semble pas. Maintenant, il vient de prendre de l'or. Ok. Donc là, forcément, plus d'or, donc plus de minecart chargé. Luma qui n'était pas là pour continuer la hitbox du repère. Ça aurait sûrement touché, je crois. Ah C'est oui. pas de folie. L'ending nerf repère serait tué. C'est un kill confirmé. On va trouver cette stock de la part de Luffy. Et directement, on commence sur un combo à 51%. Oh là là, Luffy qui est vraiment sur une instru là. Il a une phase d'avantage.
Camille qui est acculé au bord sans Luma, ça peut. Ouh là là, va vraiment falloir. Il va falloir trouver une solution. Ok, on va prendre ce smash pour libérer un peu de terrain et reprendre le stage control. Ouh, c'était tendu. Le spin trap. Ok. Et ça tue. Pas encore. Pas encore. Bien, bel Rico de la part de Luffy qui va éviter de se faire. Se faire tuer dessus et on va trouver ce fer et directement il vient il préfère essayer de tuer le Luma plutôt que de continuer sa phase d'avantage. C'est une très belle option, ma foi. Ils sont très honorables. Oh, ok, on vient couper le down air empêchant donc la recovery et trouver ce kill. Mais attention, du coup, ça veut dire un diamant côté de Steve. On se met assez bien en ressources. Et on trouve le back air, mais ça fait disparaître ce Luma. Ce Luma vert, ok. Joli tech roll qui fait Luffy passer derrière CBS. Et de se taper, joli nerf pour casser ce main card. Et une tour repère, voilà, hein, les classiques. On gratte les pourcents, 71%, on rattrape déjà voilà, l'avantage qu'avait Luffy sur cette stock. Plus okay. Luma. Luma est mort. Comment les deux joueurs vont. Ouh, on va trouver cette enclume qui va venir malheureusement toucher Rosa pendant qu'elle a fait son père et va prendre cette stock. On a un Luffy qui a l'avantage, un diamant et un diamant de secours si jamais il venait à perdre cette stock. Donc là, on peut dire qu'il est en avantage, c'est-à-dire qu'il a le lead, mais il a le lead sur tous les côtés. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il le met assez bien, on a le diamant, la stock d'avance, le diamant pour encore après. Là. 51%, la TNT qui va venir toucher. Ok, c'est assez tendu. Là, il va vraiment falloir un clutch de la part de CBS pour pouvoir récupérer cette game. Okay, et le match qui va venir tuer Steve. Il vient directement de crafter le diamant. C'est parti. Donc là. Retour. Hein. Okay. Aïe, aïe, aïe. Okay, okay. Il n'aura pas connecté ici. Luffy qui vient s'assurer que ce Luma est mort et que on se retrouve en 1 contre 1. Voilà, Luffy maintenant qui essaye, qui est beaucoup plus agressif qu'en début de partie, que même sur les autres parties. Il sait que là maintenant, ouais, c'est le moment. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer, mais faut pas oublier que Rosa, voilà, ça a quand même du kill power. Attention. Là, sur smash, attention. Faire attention. Dans ce genre de. Ok, c'est vraiment tendu. C'est là, vraiment très tendu. On n'a plus du tout de ressources de la part du côté de Luffy. On a un Luma tout frais chez aussi un biscuit sec qui est en avantage et pour l'instant on voit balader Luffy. Luffy, soit il trouve cette stock. Oh, le kill confirme. Non, dommage, a raté. Aïe aïe aïe. Ouais, c'était le upper, c'est ça. C'est ça, c'était le upper. Gentleman jab into upper, c'est un true combo. Qui peut tuer aux alentours de 105%. Il m'a pas fait attention au Luma. On va réussir à revenir dessus. Et on est sur le ledge trap de Rosa qui peut. Ok. Il y a belle Rico. Luffy, le même carte qui va venir et clore cette game. C'était pas là, c'était tendu. C'était très tendu sur la fin. Vous allez faire un jeu magnifique. Oh petit pop-off. Petit pop-off de la force de Luffy qui est très heureux d'avoir gagné cette game. C'est compréhensible. Il va venir. Pas sur la fin.